Bonjour à toutes et à tous, c'est Kyrias et bienvenue pour un nouvel épisode d'Orc Must Die. Voilà, avec une voix toute pourrie, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc on va continuer tranquillement notre massacre d'Orc, hein, notre génocide. Hein, j'ai prévu d'exterminer tous les Orcs de ce jeu. Voilà, non. Je sais pas si on ira jusqu'à la fin, mais voilà. Donc, un truc qu'on avait vu un peu la dernière fois, parce que j'avais un peu chié sur mon... un peu chié sur ma vidéo la dernière fois, hein. Donc c'était Laetisseuse. Petite vidéo. J'étais un mauvais professeur, mais il était le pire des étudiants. Obtus, idiot et trop entêté pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà pourquoi l'Ordre nous a réunis. Ils envoient leurs meilleurs éléments apprendre auprès de mages de guerre plus patients. Et je récupère les restes. La bonne blague. Ces jeunes gens talentueux sont morts ainsi que la plupart de leurs maîtres. Ils ont donné l'envie pour protéger les failles. Le monde reste condamné, bien sûr. Il ne reste désormais plus assez de mages de guerre. Mais ça me ferait bien rire que le dernier debout soit lui. J'ai contacté les tisseuses de l'ordre de l'autre côté de la faille. Les tisseuses connaissent tous les ouvrages anciens. Elles devraient pouvoir me donner des trucs de magie. Alors voilà, donc il y avait une petite vidéo que je n'avais pas trop prévue. C'est pas grave. En gros, on a donc ce qu'on avait vu vite fait la dernière fois, c'est que j'avais ouvert par inadvertance les tisseuses qu'on débloque du coup à ce niveau-là. Mais comme je disais, j'avais foiré l'enregistrement du précédent épisode, donc j'avais dû recommencer le niveau. Donc voilà. Donc les tisseuses, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un peu des. Ça va vous donner des bonus en fait, vous ne pouvez en choisir qu'une. Après, je crois qu'il y en a une troisième qui arrive également. Et en fait, en fonction de ce que vous choisissez, vous allez devoir investir du coup de l'or dedans. Enfin, je sais pas si c'est de l'or en fait, la monnaie du jeu, j'en sais rien, en fait, je m'en fous d'ailleurs. Voilà, vous investissez dedans et ça vous rapporte un bonus. Donc là, par exemple, j'ai la tisseuse d'acier qui va me permettre de récolter plus d'or, qui va renforcer mes pièges, mes gardes, etc. Oula, j'ai la voix qui merde, moi. désolé. Là, et de l'autre côté, la tisseuse élémentale qui, elle, va augmenter mes capacités à moi, en fait, tout simplement. Donc, voilà. À choisir. Donc, je pense qu'on va tester. Je vais tester celui-là, voilà. Et on va mettre le commerce de la mort. Voilà, comme ça. Et après, tu peux faire en sorte que voilà, les gardes ont plus de soignés, et qu'ils ont plus de santé, ils se soignent, etc. Mais ça coûte quand même un peu d'oseille. Et on va pas faire ça tout de suite, donc voilà. Alors, examinons la situation. Nous avons un passage en bas. Voilà, nous avons un passage en bas qui va s'ouvrir, voilà, avec... donc là, après, ils vont passer là. Et ensuite, nous avons un passage en haut, cette fois-ci. Cette fois-ci, donc ils arrivent d'où ceux-là? Ils arrivent d'ici, voilà. Et ça va être un peu la merde. Voilà, je vous lis, ça va être la merde. La merdasse, parce que j'ai deux chemins en même temps. Et voilà. Donc la technique, à mon avis, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Hein, on va essayer. Alors, on va prendre ça. Ça, les pièges, ça, parce qu'on a du truc de lave, donc ça peut être intéressant. le poussoir qui est plutôt pratique, je pense que si on a, alors on a quoi en plus? On a des Curia, c'est omnibilé par les chasseurs. On a un nouveau machin. Ah oui, putain, ça va être hop. On a les trampolines aussi qu'on pourrait prendre éventuellement, mais que ça coûte cher, je trouve. La place au feu, ça, on s'en fout. Soit je prends les barricades, mais est-ce que les barricades, ça sera utile ou pas? Une très bonne question. Alors, on va prendre ça, on va essayer. On va essayer de faire en sorte...
de pouvoir balancer tout ce joli monde là-dedans. En tout cas, on va essayer. D'où le fait peut-être que... ah oui, peut-être d'où le fait que... Je sais pas si ça va bien marcher ou pas. Bon, c'est pas grave. Et j'ai pas pris les tisseuses. Ah, c'est que j'ai pas accepté. Voilà, d'accord. J'ai pas accepté. Et on va mettre, du coup, on va mettre des gardes. On va mettre des gardes, des archers. Au seul endroit où ils vont être à peu près en train vont pouvoir tirer de façon. Voilà, de façon à dégommer les mecs. Bon, ben, il n'y a plus qu'à lâcher la horde, hein, comme qui dirait. Alors, ça arrive en bas, mais évidemment. Évidemment, ça arrive en bas. Voilà, bon, comme ça, là, au moins une. Hop. Ah mais tirez pas sur ceux dans la lave, bande d'abrutis, ils vont crever comme des merdes, voilà. Ah non. Tirez sur ceux-là, voilà. L'armée en attendant, il y a des miennes là. Hop là. Hop là, ça se passe plutôt pas mal. C'est bon. Bon, il y a une potion qui est dans la lave, je crois que je vais un peu la laisser là où elle est. On a... Alors, attendez. Alors, ah merde, ça arrive en haut. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre... Hop. Voilà, comme ça, déjà, on va commencer à préparer un peu les pièges. Hop là, c'est un peu le principe, hein. Après, évidemment, ça va être des deux côtés. Hein. Vous imaginez bien que ça va être des deux côtés. Hop là. Alors, vague suivante. Alors, il faut que. On va essayer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Comme ça, est-ce que. Alors, la question, c'est. Ah merde, il y a des licans. Ah merde, c'est un lican ça. Il faut que j'aille. Il est en bas en plus, je pense. Merde, il y en a un en haut maintenant. Ah oh, ça va être la mort, ça va être la mort. Alors le problème, c'est qu'il va arriver là. Il va arriver là. Voilà, et il vient buter mes mecs. Attends, il est où l'autre? Voilà. Voilà, bon. Celui-là, on a eu chaud. Voilà, bon. On a réussi à les buter, si je puis dire. Alors, ah ouais, mais ça fait quand même la moitié des trucs qui... ouais, non, on va peut-être pas y prendre. Ça commence à devenir un peu chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis... j'ai mis des pièges en haut ici, je crois, voilà. Ils sont pas déclenchés, eux. Ah oui, donc alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop là, hein, histoire que les pièges, ça fonctionne un petit peu. Tu vois, comme ceci. Et on va les mettre la même chose, mais de l'autre côté. Tu vois. Hop. Comme ceci. Et j'ai plus de pognon. J'ai déjà plus de pognon. My God. C'est la merde. Bon, ben, on y va. Ça arrive de... d'en haut, évidemment. Bonjour messieurs, bienvenue dans mon hôtel. Nous avons... Ah ouais, mais il y avait déjà les pièges ici en plus. Ouais, oups, si. Bon, les trampolines, ils fonctionnent plutôt bien. Ouais, ça va, ça fonctionne plutôt bien. C'est cool. Bon, ça en envoie qu'un seul à chaque fois, mais ça fonctionne bien, on va dire, pour moi. Bon, par contre, je me fais défoncer. Oh, le combo. Ça marche plutôt pas mal. Ah merde, il y en a un qui est parti de l'autre côté. Ah merde, le con. Et puis en plus, je suis en train de me faire défoncer. C'est bon. Oh là là, il me fait... C'est bon.
Il y avait pas une ou deux potions là dans le coin là. Ah si là, il y a une potion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vite fait 8 ça aussi. Bon bah pourquoi pas, on s'en fout. Hop. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Ah, est-ce que j'ai bien fait de prendre ces pièges ou pas? Est-ce que... Alors, pour le moment ça marche. J'ai un souci, je crois que... Oui, il y a un mec qui est... Attends, il fait quoi? D'accord, ah oui, donc en fait ça saute tellement que ça me les envoie là, d'accord, ah oui, c'est pas forcément super la praticité of the dead de la mort qui en fait. Les trampolines, c'est un peu la merde, j'avoue, là. Du coup, j'ai pas vu si ça marchait ou pas. J'ai pas vu si mes pièges y marchaient ou pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas grave, mais au moins, il y a un truc qu'on peut faire, c'est en mettre là. Ici, là, je suis sûr que... Hop. Ah oui, ça arrive de l'autre côté. Évidemment, ça arrive toujours de l'autre côté. Jamais de là où je suis, mais c'est pas grave, hop. Ah, j'ai tout le piège. Oh, ça revient là-bas. Ça arrive de l'autre côté. Mais normalement, ça doit être bon. Ça doit être plutôt bien passé. Voilà, ils se font défoncer. Je vais l'attirer avec mes petits orques. Ah oui, d'accord. Voilà. Attendez, parce que j'ai un lichon qui est en train de me foutre la merde là. Putain, ils sont résistants ces merdes. Oh putain, y en a un quand même approche. Mais attendez, celui-là c'est bon, on va le gérer. On va le gérer. Au revoir. J'adore en fait, c'est peut-être des trucs que j'utilisais pas assez avant en plus. Mais alors après, oui non, je crois que qu'est-ce que j'utilisais. Ah oui, je crois que j'utilisais l'anneau de feu. Bon, alors on va essayer de restructurer un peu tout ça parce que j'ai un petit souci de... Alors lui, je sais pas si on va y vendre hein, parce que j'ai aucune idée de si ça marche ou pas. Alors ce qu'on va faire, c'est que les trampolines, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Hein. On va en laisser... Ouais, si on va en laisser au moins peut-être un ou deux en bas, là, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de l'autre côté... c'était comment ici? Oh, mais il y a du pognol ici, il y a du pognol. Voilà, là, il y a ça ici. On va rajouter des gardes. On va rajouter quelques gardes quand même dedans. Histoire que j'aille au bon endroit, ça serait bien. On va rajouter deux gardes. Voilà, déjà. Hop là. Histoire que ça balance un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va... On a assez de pognon pour faire quoi? On va rajouter des défenses en bas. Alors, est-ce que le mieux, c'est je mets là? Alors, le mieux, est-ce que je mets là? Comme ça, là, ça prend bien dans toute la longueur. Ou est-ce que je mets... Où est-ce que je mets ici? Ah, peut-être que le mieux... Ah, attendez. Alors, soit... Ah non, c'était pas mal quand même le fait que... Ce que je vais faire, c'est que aussi, je mets quand même... Des nouvelles décorations. Rien que pour... Je vais, on va essayer de, hop, voilà, d'optimiser un petit peu, 800, 600, et j'en ai mis d'autres là, donc on va en remettre, un là, voilà, comme ceci, hein. Et on va continuer, alors, on a fait quoi, alors, on va, en haut, donc on a dit qu'on mettait, hop, voilà, comme ceci. On va les replacer correctement. Alors là, est-ce que je les décale pas un peu? Parce que j'ai peur, je crois que c'est d'ici qu'ils arrivent. Hop, donc on va... Je pense que je les décale légèrement comme ça. Parce que peut-être qu'ils arriveront moins en haut, en fait. Ça serait mieux. Hein. On va laisser peser. Hop, et là, je suis sûr qu'ils vont se prendre le... Ils se prendront un piège quoi qu'il arrive, donc je peux me permettre d'y foutre, là. Donc, hop. On en remet un là et s'il repasse là, parce que hop, c'est mieux.
Et ma foi, bah, on a plus trop de... Voilà. Donc, ça arrive des deux côtés en même temps. Voilà. Donc, on se dirige en bas. Mais il tirait sur quoi lui? Ah, il tirait sur moi peut-être. Alors je vois qu'il y a du... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné du pognon dans le coin? Oh mince, il y a du pognon ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer à... On va replacer des défenses, parce que là, en fait... Il faut des défenses. Hop. Ça me fera plus mal à moi, non, attends, c'est l'inverse. Et ça arrive d'en bas. Je crois que ça c'est... Ah, oula, c'est pas la tienne. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok, c'était ça comme moi. Je vérifie. J'espère que ça m'active pas mes pièges, ça serait plutôt pas mal. Ok, ça arrive d'en bas cette fois-ci. Hop là là. Attends, c'est toujours chiant de se placer au bon endroit. On a un peu de... Ah, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des trucs pour le ralentir, c'est ce que je veux dire, là. Et ça arrive dans l'eau cette fois-ci, hop. En fait, tu passes ton temps à te... Non, messieurs, nous avons dit, vous n'avez pas le droit de passer. Vague suivante dans 4, 3, 2, 1, c'est la vague finale, je crois. Donc, ça arrive dans... On va essayer de se débarrasser au plus vite d'un ogre. Alors le souci c'est que... Alors voilà le problème. Et là t'as le reste qui arrive par en haut. Et c'est bon. Hop. C'est ça non? Ça arrive pas par en haut? Si ça arrive par en haut. C'est quoi qu'il y a par en haut? Un deuxième hog, bah oui. Ah bah il s'est fait défoncer. C'est bon, il s'est fait défoncer. C'est bon, il n'y a personne sur mes gardes. Voilà, on a toujours 20 sur 20. Hein. Alors attendez, là c'est en... Il y a pas mal de merde en bas. Qu'est-ce qui arrive là? Là il y a une grosse attaque qui arrive. Ouais, ça défend plutôt pas mal là. Alors si je prends pas la bonne arme, ça va pas le faire. C'est bon, là les pièges, on est plutôt bien sur les pièges et tout ça. Ouais. Vous remarquerez éventuellement que si mes pièges là étaient plus bas, ils défonceraient mes gardes. Hein. Après, je sais pas si elle tire à lui. Enfin, je sais pas. Ok, voilà. Et c'est tout? Non? Ah non, ça arrive encore. Les mecs, ils sont même pas rentrés, qu'ils sont déjà morts, quoi. Ah bah voilà, c'est fini. Alors, c'est un épisode qui a quand même duré un peu plus longtemps, hein, parce que il dure de plus en plus longtemps, hein, les niveaux. 18 minutes, 20 minutes. Ah, j'ai que 4 crânes. Ah, c'est que j'ai quoi? C'est que j'ai pas fait assez de combos. Je sais pas comment ça fonctionne. Comment les crânes fonctionnent en fait. Donc, je peux pas vraiment le dire. Les trampolines coûtent moins cher. Je pense qu'on va prendre ça. Ça peut être pas mal. Les poussoirs étourdissent les ennemis. Ah, oui, ça va être pas mal ça aussi. Ça peut être pas mal aussi de faire ça. On pourrait y améliorer, je sais pas. Enfin, bref, on verra. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, etc. Je sais que le jeu date un petit peu, mais moi je m'éclate dessus. C'est marrant de torturer comme ça, enfin torturer, oui, si oui, on peut dire que c'est une forme de torture. Les orques, voilà. Sur ce, du coup, moi je vous dis bon jeu et à bientôt.